Il y a une armée de flics qui débarque de partout, même de Paris. Ça serait le gitan et sa bande qui auraient récupéré un type en cavale et qui se planquait chez Bob. Le gitan, c'est pas du possible, il me suit à la trace. Ah, le gitan, c'est pire que la peste. Oh, n'exagère pas. Le gitan s'est barré ? Ça fait pour vos gueules. Ah, c'est plus facile d'arrêter des innocents, bande de grands parias. On se gare, on passe en bélier. La grosse berline clinquante, mais on n'a pas vraiment les gueules des millionnaires qui vont avec. On aurait dû mettre des cravates et des lunettes noires pour carave nos pupilles qui se dilatent. C'est l'heure de voir qui garde son self contrôlé, qui part en toupie à tempête. Et on est tous dans le même bateau. C'est la fête des pimpons et on est la cerise sur le gâteau. Bref, le quartier est cerné, va falloir se surpasser. En vrai, on est intelligent, mais on n'est pas surpassé. C'est l'heure de la fuite, l'heure de la cavale. Ils nous veulent morts ou vifs, mais criblés de balles. Des cours. Chacun en profite pour décompresser. Et là c'est à chacun sa technique pour déstresser. Sky ou popo, pas trop, faut rester lucide. Manger un peu, rééquilibrer nos taux de glucides. Dehors, les gyrophares grisent pire que dans Hit. Les patrouilles tournent comme des boucles de breakbeat. On passe de trois coups de fil pour préparer le terrain. Faudrait pas attendre d'avoir l'RG sur les reins. Plus de temps à perdre, c'est fine qu'il va falloir la jouer. Même avec un coup d'avance, c'est chaud, faut l'avouer. Tapé de moyens de locomotion pour périmer les quelques signalements de nos descriptions. Munis de nos faux passeports, direction Orly, embarquement dans moins d'une heure. On quitte le pays donc, pas question de baisser d'un poil notre vigilance. Wanted comme les Dalton à l'époque des diligences. Garder un œil dans le rétro, où les deux spies n'est pas trop. Faire ce qu'il faut pour que notre plan se déroule sans accroc. Aux aguets, rien de suspect dans les rétroviseurs, personne nous file. Le GIGN nous a peut-être dans son viseur, mais tant pis. Arrivé à l'aéroport dans quelques minutes, dans la caisse la pression monte comme dans une cocotte minute. Allez hop. On passe un par un la douane. Adieu Paris. On sort les sourires à 10 plaques face à des douaniers aigris. Hey. Le plan arrive à son dernier acte. Ça passe ou ça casse. Insoupçonnable, on a laissé toutes les liasses à un contact qui nous sert de compte en banque. Le genre trader. Bien briefé, si un euro manque, il sait ce qu'il attend. Donc, t'inquiète, aucun souci. Une fois sur place, il y aura ce qu'il faut pour la grande vie. On a réussi ce coup, toutes les clics jugées impossibles. Mis sur pied une tactique sans faille, le coup infaillible. Ah, ça y est, on dégole. C'est l'heure de déboucher le champagne demain. C'est soleil, punch, coco et champagne. Stop.